les filles, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour un haul qui sera destiné à tout ce qui est make-up, soins, etc. avant le Ten Pan Challenge. Parce que voilà, je voulais vous le publier quand j'aurai décidé de plus acheter quoi que ce soit en termes de soins, etc. Et sachez quand même que si j'ai acheté, c'est que vraiment j'en ai besoin, quoi. Là, pour le coup, j'en ai besoin. Chez Sephora, jusqu'au 30 août, jusqu'au, je sais plus quand. 30 septembre, je crois. De telle date à telle date, vous aviez pour l'achat de n'importe quoi avec votre carte, votre bon, la possibilité de passer en Sephora Gold. Donc en fait, voilà, c'est pourquoi ma mère avait besoin d'un peeling et de je sais plus quoi, d'un mascara, voilà. Et du coup, chez Sephora, elle a pris les deux là, elle a eu 20%, parce qu'il y avait 20% aussi. Et du coup, ça m'a fait la carte Gold. Donc je l'attends d'ici un mois, je pense qu'on la recevra. Donc du coup, elle s'est pris le Pchit Magique de Garancia, parce que j'en ai entendu que du bien. Donc comme ça, vu qu'elle a aidé un peu des zones de sécheresse et des peaux mortes, ça va pouvoir lui débarrasser un petit peu de tout ça. Donc en fait, c'est en mousse. Vous posez la mousse, vous utilisez ça. Une fois par semaine et vous laissez agir 3 minutes, vous rincez à l'eau tiède, enfin visiblement, hein, parce qu'après c'est un micro peeling chimique. Et puis ils disent s'utilise chaque jour le matin à la place de son produit nettoyant ou le soir après son démaquillage, s'applique sur peau sèche. Deux pressions dans le creux de la main, préalablement humidifiées, et répartir sur le visage par effleurage. Évitez les yeux, laissez agir 30 secondes, la mousse fond progressivement, puis bien rincer à l'eau. Un flacon correspond à 2 mois environ d'utilisation. Donc on verra. Moi je pensais pas que c'était utilisation tous les jours, mais du coup je pourrais lui l'en informer avant qu'elle commence à l'utiliser. Ensuite, bah, du coup elle a voulu le Sephora. Donc c'est le Outrageous Curl Dramatic Volume and Curve Mascara. Donc volume et recourbe et courbe. Donc elle a pas beaucoup de cils. Ni noir, ni fourni, ni c'est très parsemé. Donc en fait, on verra ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et puis, elle a accepté aussi de se rendre modèle pour le maquillage de cinquantenaire. Donc je l'en remercie beaucoup. Et du coup, je pense qu'on se reverra très bientôt avec elle directement en caméra pendant le challenge des 30 jours. Ensuite, bah écoutez, moi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme achat chez Sephora? J'ai acheté des produits, mais à l'occasion d'un deuxième achat, Makeup Forever, parce que quand vous en aviez acheté deux, le troisième était offert. Donc du coup, ce qui est pratique, c'est que j'ai acheté des Aqua Cream, que j'adore, je trouve qu'elles sont pas très très chères. Et du coup, les Aqua Cream étaient à 23 euros, et j'ai eu un Aquamatic. Donc les crèmes, voilà, en stick, à 20 euros gratuit. Donc celui-là, c'est le D12. Je vais vous le swatcher. C'est un très beau gris, gris anthracite avec des paillettes. Franchement, je le trouve très très joli. Et ensuite, je vais vous swatcher les deux aquamatiques. Donc j'ai pris la teinte numéro 2, qui est aussi un espèce de gris taupe. Qui sera super beau, je pense. Dans ces teintes-là, j'en ai pas énorme. De toute façon, les textures crème comme ça, je les aime beaucoup. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est un peu plus clair quand même que le Aquamatic. Donc là, était tout l'intérêt de combiner les deux. Et ensuite, j'ai pris la teinte numéro 13. Donc la teinte 13, c'est un beige rosé. Voilà, et donc qui tire un petit peu quand même sur le pêche. Et il se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous verrez bien. Voilà, ils sont très crémeux, ils sont très lumineux. Franchement, je trouve que quand même sur une paupière mobile, ce sera très 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 joli. Donc ça, c'était mes achats pour Sephora. Chez Sephora, donc moi, l'offre que j'avais. Et que dont ma mère a bénéficié. Donc c'était sous présentation du coupon que j'avais reçu par la poste. Il y avait le passage à la carte Gold. Des deux articles achetés, il y avait moins 20% sur les achats. Et en troisième, il y avait en fait un pochon comme ça offert. Donc avec trois miniatures ou quatre miniatures. Donc je vais vous dire tout de suite ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait le lait tendre démaquillant de Dior.
Donc après, extrait de pivoine velours. Il y avait le démaquillant, super démaquillant du waterproof de chez Sephora, que je mordais d'envie de tester parce qu'on en dit que du bien et franchement, pourquoi pas. Il y a le Génifique Advance de Lancôme. Donc celui-ci, en petit format comme ça, c'est plutôt pas mal parce que moi j'ai les autres petits sachets alu qui sont pas géniaux. Qui sont pas géniaux, pardon. Et ensuite, j'ai un mascara, le Black Moon Audacious Mascara. Mascara Audace. Donc, de chez NARS. Donc, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que, étant donné que j'en ai d'avance et qu'il faut que je les finisse, celui-là, je me le réserve pour moi. Après, maman, elle peut avoir le reste. Mais le NARS, vraiment, j'ai bien envie de le tester. Donc, il est assez gros quand même pour une miniature, donc à partager dans le sac, voilà quoi, un coup elle, un coup moi, ça peut être pas mal. Ensuite, bah écoutez, on va terminer avec... Ah non, j'ai encore deux endroits que je dois vous mentionner. Sur le site britannique, en fait, de Fragrance Direct, ils font la marque Nuxe maintenant. Et en fait, le Nuxe Élance Jeunesse, donc c'est un soin rechargeur jeunesse lumière, anti-âge lissant et éclat, à la fleur de passiflore et à l'acide hyaluronique. Et en fait, normalement en France, il est à une 50, soixantaine d'euros. Et là, je l'ai eu pour une vingtaine, ouais, entre 15 et 20 euros. Je me rappelle plus trop le prix. Et donc, il y a 50 millilitres à l'intérieur. Ma mère l'aime beaucoup. Et moi, en fait, donc on en a pris un chacun. Et du coup, c'est les flacons pompes là, que j'aime beaucoup, qui sont hyper pratiques au niveau conservation. Parce qu'il n'y a pas de bactéries qui peuvent aller dedans. Et en fait, c'est tout type de peau. C'est un soin que vous pouvez utiliser le matin et le soir. Et ils disent qu'il y a 10 brevets de déposés, etc., etc., etc. Donc ça, je voulais le tester absolument. Je pense que là, après, je suis redorée en soins pour le reste de ma vie, hein, pour l'instant. Donc, je vais pas m'exciter de trop, à part pour les choses qui partent très, très rapidement dans les prochaines semaines. Ensuite, je suis passée à Dégriffe Mania, là où j'ai acheté les baskets à Hugo. Et je me suis repris le Arginine Resist x3, que j'apprécie. C'est mon démêlant. Chouchou en fait, j'ai encore pas trouvé mieux et j'avais jamais retrouvé en fait, oui, j'avais jamais retrouvé le format comme ça avec juste le bouchon. J'ai toujours retrouvé en pot, mais pas comme ça. Donc j'en ai repris forcément parce que c'est un format que j'aime beaucoup. C'est sûr que quand on arrive à la fin, c'est un peu compliqué de tout sortir, mais moi j'y arrive très bien. Donc c'est le format que je préfère par rapport au pot. Et ensuite, je me suis repris. Ils étaient donc. Les Arginine Resist étaient à 3,99€, 2,99€. Et les Fa étaient à 1,59€, 1,60€, 1,70€, pas plus. Donc là, c'est à la grenade hydrate. Ouais, c'est au lait corporel hydratant en fait. Et ils sont divinement bons, quoi. Et l'autre, c'est au fruit de la passion. Et c'est pareil avec des lots. C'est la collection qui comprend le gel de bain et la lotion hydratante. Et c'est vrai, ils sentent tous les deux très très bons. Donc je vais tester ça parce que moi, vous savez que j'en ai marre de me tartiner. Je l'ai fait pour essayer de perdre du poids pendant un moment, retirer la peau d'orange et tout. J'ai vite arrêté parce que franchement, ça, tu perds du temps à tartiner le corps. Donc je le fais encore de temps en temps. Mais si là, ces produits-là peuvent permettre de se laver et d'avoir la lotion hydratante en même temps, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour mon dernier haul en fait, produits, beauté, maquillage et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que maintenant vous pouvez vous abonner directement en cliquant sur le petit logo La vie en rose. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!